Salut tout le monde! J'ai faim. Tu bailles? Oui. Ah bah c'est beau. Alors, un mukbang qui est très attendu par beaucoup de monde, c'est le mukbang friterie en Digimobile! Je suis folle. Oui. Je suis désolée. Vous me l'avez demandé, mais tellement de fois! Parce que la dernière fois, j'étais très méchante. J'ai dit que je ne vous donnerai pas l'adresse de la friterie où on était, mais cette fois-ci, je vais le faire. Parce que franchement, ça vaut le coup. Ouais. C'est pas la même que l'autre. Et il est gentil ce monsieur. Mais il manquerait plus que ça qui morte. Non mais je crois qu'il est convivial. Il est commerçant quoi. En général, quand t'es commerçant, t'essayes d'être sympa avec les gens quoi. Oui. Alors on a deux petites frites. Ça va pas être facile à manger ça. Bah non. Tu veux mettre ça sur ta jambe, ça va te réchauffer. Parce que je me dis, il fait froid. Il fait 1 ou 2 degrés. Là. Ça fait du bien. Ah hein. Oui. Alors on a. On a deux petites frites. Attention! Quoi? Une frite là. On a deux petites frites. Vous les voyez? Ouais, vous les voyez. On a deux petits pots de mayonnaise. Et Laura, elle a pris un petit poulet croque en plus. Et c'est pas comme. T'as pris un. C'est quoi que t'as pris? Burger. Un cheeseburger maison. Oui, c'est ça moi. Toi, c'est un cheeseburger maison. Montre. Oui, et moi c'est un burger au fromage d'Orval. Alors le fromage d'Orval c'est un fromage belge. C'est très connu en Belgique. Je suppose qu'en France vous devez connaître aussi. Enfin, c'est pas que en Belgique, je pense pas. Dites-moi, je suis pas sûre. Je vais prendre ma petite frite. Je vais essayer de me pendre partout. Ça va être compliqué. Je sais pas comment faire. Enfin bon. Bon, je prends ma frite. Ça c'est dangereux hein, les gars. Comment je fais? Ah bah je fais comme ça. Regarde. Regarde, c'est fait pour hein. Et le petit pot de maillot, bien sûr. Obligatoire. Allez, c'est parti, on mange. Alors, où est-ce qu'on est? Nous sommes à Aubange. C'est les meilleures frites. Pas les meilleures frites du monde, parce que les meilleures frites du monde, c'est chez Aubange à la friterie de la Tour. Non, c'est à Five Guys. Oui. Mm. Mais en tant que friterie, ces frites-là, elles valent vraiment le détour, parce que c'est des frites, des vraies frites de pommes de terre, quoi. C'est pas des trucs qu'ils achètent déjà pré-coupées. Des vraies pommes de terre, coupées. Et c'est très très bon. On est donc à Aubange. Et on est chez Brian, la friterie Brian à Aubange. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Google friterie Brian à Aubange et ça vous donne l'adresse. Voilà, tout simplement. Et si vous venez, dites-lui que vous venez de ma part. Il va se demander quoi le gars, il ne me connaît pas. On a toujours les cons quand on mange dans la voiture en fait. Parce qu'on aurait pu manger à l'intérieur, il y a la place pour manger. On n'est pas obligé de. Voilà, il y a vraiment des places pour manger. Mais ça aurait fait trop bruit parce qu'il y a de la musique et tout. Donc on préférait manger dans la voiture. Bon, on va goûter ce fameux burger au fromage d'Orval. Alors, il y a fromage d'Orval, une belle tranche de viande, du bacon, je vois, salade. Oignon grillé. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. C'est quoi ça? C'est très très bon. Hein? Quoi? Du coca? Ben non, c'est la sauce du burger. Oh. C'est délicieux. Alors on a le choix de la sauce à l'intérieur. Moi j'ai mis andalouse. Toi t'as mis mayo je crois. Mayo. Ouais. Ah c'est bon. On va manger un peu. Bien sûr. Avant de pouvoir discuter parce qu'on a vraiment faim. Aïe. Je vais retirer mon écharpe parce que tu vois il fait pas si froid que ça finalement. Mmh. Ça va, hein. C'est bon. Quand on a faim, tout paraît vachement bon, enfin meilleur même. Tu vois? Alors que c'est déjà bon, hein. Ouais. Ouais. Mmh.
Délicieux. Excusez-moi, je retape un croc. C'est bon. Est-ce que vous allez bien, déjà, première question. Est-ce que tout le monde va bien chez vous? Est-ce que vous n'avez pas eu trop de dégâts à cause de la tempête? Parce que chez nous, il y a eu des avis météo, point rouge, machin, hein, tout ce qu'on veut. À cause de la tempête, c'est la tempête comment, Chiara? Sierra. Ça va, nous on n'a pas eu de dégâts. Syria. Nous on n'a pas eu de dégâts, mais il y a eu. Mais le village d'un côté, oui. Hein. Ouais. Mais je veux dire, nous, chez nous. Mm-hmm. Dans notre maison. Ah oui. Il n'y a rien du tout. Oula. Ça va? Ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est pas facile de manger comme ça. Et leur pain est délicieux. C'est pas un bête pain burger, c'est vraiment un pain qu'ils achètent dans une boulangerie, à mon avis. Et par contre, la viande, je sais pas d'où elle vient. Mais elle est très bonne. À mon avis, il se fait livrer par une boucherie du coin. C'est pas possible, c'est super bon. Délicieux! Bravo, Brian! Alors, allez, on va se causer un peu. C'est bientôt la Saint-Valentin. Nous, avec papa, donc avec maître Riri, pardon, on ne sait pas de cadeau cette année parce que. Ah! Attends! Laisse-moi leur annoncer. D'accord. Mais j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais vous avez été très peu nombreux à regarder cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. La vidéo où je confectionne un truc en papier bulle, ça vous a pas plu? Allez regarder, hein, quand même. Hein? Allez regarder. Wesh, allez regarder, merde. Donc vas-y, j'ai déjà annoncé là, mais vas-y, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, ben voilà. Attends. J'étais dans ma chambre. Oui. Ils m'ont dit, ah, on va chercher de la confiture, on a oublié de la confiture. De la confiture, donc que un pot de confiture. Ils ont pris une heure. Je me suis inquiétée, j'ai envoyé un message, ça va, tout va bien, vous prenez du temps. On m'a dit, oui, on arrive bientôt. J'étais là, ok, d'accord. Et ils arrivent et ils disent, ah, on a pris un cahier de dessin, parce que bah, j'aime bien dessiner. Enfin bref, il m'invente des trucs chelous. Et je regarde et j'ouvre, c'est un truc luxaire déjà je crois. Et j'ouvre et je vois Angleterre. Non, Grande-Bretagne. On part 4 jours à Londres en avril. La classe. T'es contente, hein? Ah, j'ai pleuré. Oui, c'est vrai, elle était super contente, elle en a pleuré. Donc ouais. Super, on est super ouais. Heureux. On y avait déjà été il y a 5 ans. Moi non. J'ai jamais pris l'avion, je suis jamais sortie de Belgique, France, Allemagne. Incroyable. On va faire des photos là-bas. Mon contenu Instagram, fou. On va faire des trucs de fou là-bas. Elle est déjà en train de nous faire des petits itinéraires. Ah ouais. Ah ouais. Ce jour-là, on va aller là. Non. Non, pas le jour. J'ai déjà genre des magasins à faire quoi. Comment ça s'appelle? Ah! Brandy Melville aussi, que j'ai trouvé qu'il y en a tout près c'est de quoi, là ça? Où on est. Brandy Melville, c'est aussi un magasin de vêtements. Avec Urban Outfitter aussi. Mmh. Il y a un magasin, mais ça en fait, je suis obligée, je suis une fan de doudou. Alors, c'est un magasin où tu construis ton doudou toi-même et tout. Enfin, ça a l'air trop mignon. Il y a aussi Jollibee, c'est un fast-food avec du poulet. Ah, ça a l'air bon. Bref, voilà.
On est super contents. Bon, encore 2 mois à attendre, hein, mais c'est super. Vraiment, je suis contente. C'est très bon aussi, hein. Oh là là, c'est pas facile de manger par contre. Non. On s'en fout partout. Moi ça coule dans tous les sens. Moi non. Oh là là. Si je ne remets pas une goutte sur mon jean, c'est un miracle. Hein. Dans la dernière vidéo, mais dans l'avant-dernière vidéo, je vous parlais de ma prise de poids et je vous disais que j'allais faire attention. Et que notamment... Dit-elle avec un gros burger en main et des frites bien grasses. Mais j'ai jamais dit que j'allais faire régime. Mais on court. Ouais, bon, avec le temps qu'il y a eu ces derniers jours, on n'a pas su trousseau. On n'a pas trousseau. On n'a pas trop su y aller. Mais... oui, on court. Trousseau, ça me fait penser à... Ça me fait penser à quelque chose aussi. À un prof, genre un nom de famille de prof. Trousseau. Non, il y a un truc comme ça, trousseau. Non, allez, Tussaud, hein. Pas trousseau. À Londres, il y a le musée de cire, là, où t'as d'aller les personnalités. C'est vrai? Bah oui, c'est Madame Tussaud, ça s'appelle Madame Tussaud. Ça, on ira. Oh! Parce que la fois qu'on avait été avec papa il y a 5 ans, on ne l'avait pas fait. Mais on le fera cette fois-ci. Il y a Leonardo DiCaprio. Il y a toutes des célébrités. Il y a Noah Centineo. Ça, je ne sais pas qui c'est. Il joue dans plein de trucs. Perfect Date. Il y a le deuxième film là, de À tous les garçons que j'ai aimés. Il a joué dans le 1. Et, bah, ah, d'accord. Okay. Dans le 2. Enfin, il joue dans le 2. Mais je ne sais pas si il est chez Tussaud. Ça coule, mais c'est un truc de fou. Vous voyez, c'est pas ragoûtant. Je suis désolée. C'est la sauce en fait qui est en train de... La sauce andalouse qui est en train de se barrer. Je sais pas comment faire. J'en fous partout. Désolée. Bref, de temps en temps, merde, faut se faire plaisir. Même si j'ai l'impression, c'est horrible, mais... Tu sais quand tu fais un gros cheat meal comme ça, ça s'appelle comme ça, un cheat meal. Un cheat meal. Cheat meal, ça veut dire que tu fais pas attention, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Quand tu fais un gros cheat meal comme ça, tu dis merde, j'ai flingué la course que j'ai fait avant, quoi. Tu vois, c'est comme si ça servait à rien. Ouais. J'ai une pensée que j'ai mon tropico qui est ouvert et qui arrive juste à mes pieds. Ah bah, faut pas que je bouge le truc. Bah oui, je rigole. Je voulais te faire croire qu'il est renversé, mais ça va pas marcher. Mais mange, parle. C'est gênant, hein. Bah oui. Maman. 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 C'est quoi un polycroque? C'est pas pour lâcher le poulet. Ça me donne pas envie, je sais pas quoi. C'est bon? Bah ouais. Bah non. C'est du poulet. Tout petit bout, hein. Ça va. Je préfère leur burger. Bah ouais. Parce que ça, tout ça, les fricandelles, les viandelles, les machins, les polycrottes, les machins, c'est pas ce qu'ils font, quoi. Ils les achètent tout près. Tandis que ça, il les fait, quoi. C'est bon.
Alors, on est souvent en train de me dire quand je fais un mukbang que les gens mangent en même temps. Ok. Mm-hmm. Je veux savoir, à l'instant présent, là, précis, là que vous me regardez, qu'est-ce que vous mangez? Alors, aussi, oui, j'ai une question à vous poser. J'ai eu pas mal de commentaires aussi pour me dire que ce qu'on faisait, c'était pas des mukbangs. Ah bon? Et effectivement, si on se renseigne bien, un mukbang, un vrai mukbang, c'est manger en quantité phénoménale et pas vraiment parler, quoi. Ça, c'est un vrai mukbang. D'accord. Mais c'est vraiment manger, 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 sans vraiment s'exprimer, quoi. C'est pas des discussions comme nous, on fait. Alors, est-ce que ça vous gêne, vous, que j'intitule ces vidéos mukbang? Ou est-ce que je devrais trouver une autre intitulé? J'en sais rien, je me tâte. Je sais pas. Bah, dégustation. Ouais, enfin bon, pour moi, une dégustation, c'est quelque chose que tu découvres, tu sais pas ce que c'est. Oh, je déguste ça. Ouais. Tu vois? Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je laisse le nom mukbang parce que finalement, quand on connaît, enfin, il y en a beaucoup qui me connaissent que avec mes mukbangs. Ils vont être perdus si je change d'intitulé. Je pourrais l'appeler, je sais pas moi, manger avec nous, mangeons ensemble, je sais pas. Mais j'ai peur que vous soyez complètement perdus. Voilà. Moi, ça me dérange pas de laisser mukbang. Maintenant, est-ce que vous, ça vous dérange? Toi, ça te dérange? Changer, bah, ce serait bizarre. Ouais, hein. Il me semble. Quand on met mukbang, bah... On met quoi? Mukbang? On te voit? Enfin... Il y a tous les mukbangs. Oui, en général, si on fait... Ouais, c'est vrai que si on fait recherche sur YouTube, on met mukbang... Tu peux être dedans. En général, je suis pas loin, quoi. Bon, d'abord, c'est la muse américaine. Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, tu vois, t'entends bien l'américain? C'est ce que j'ai compris. Bon, t'entends bien l'américain? Tu disais quoi? C'est souvent d'abord les Américains en premier. Normalement, c'est plus les Asiatiques, les Coréens même. Les ADN. Mais non, j'ai pas dit les ADN, les Asiatiques. Parce que le terme mukbang, ça vient de la Corée. Oh. Le bug. Ça vient, c'est coréen. Donc, Il faut que vous alliez suivre sur Instagram DJ Meme. Oui. Oh oui, trop bien. Voilà, on a eu, je peux dire on parce que c'est souvent nous deux qui. Ouais. Voilà. On a eu un compte Insta qui nous suit, qui est fan de nous et qui a fait une page fan quoi, comme on dit ça, une page fan Insta. Et alors, mais je trouve ça tellement drôle. Ouais. Je vous mets le lien ici. Dans la barre d'infos, c'est pas compliqué à trouver, hein, c'est DJ Meme. Mais pas c'est tellement drôle! DJ Meme! Non, pas le verbe aimer, mais de toute façon, il le voit, c'est marqué là. Mais c'est vraiment drôle! C'est vraiment drôle, c'est super bien trouvé. C'est pas simplement. Enfin, je vous dis pas ce que c'est, parce que sinon c'est pas. C'est des mèmes? Oui, mais il faut qu'ils découvrent eux-mêmes. Je trouve ça tellement, tellement bien trouvé. Et alors, tu sais quoi? Je sais même pas qui c'est qui fait ça. C'est une fille ou un garçon? Mais je ne sais pas. Merde, j'ai jamais pensé lui demander. Ces frites sont tellement bonnes, elles sont croustillantes. Mais non, tu as dit d'une manière. Oh, ces frites sont tellement croustillantes, elles sont tellement bonnes. Mais c'est vrai, il faut le dire. Mais oui. Tu fais des bonnes frites, Brian. Merci. Merci, Brian. Bon, il n'y a plus de croustillantes, alors je suis triste. T'en as des croustillantes? Ouais. Pourquoi? Ah, ça c'est croustillant.
T'imagines s'il voit la vidéo, Brian, et qu'il nous invite à passer, à passer une journée à faire des frites avec lui. Sincèrement, j'aimerais bien, ça ferait rire. Non ? T'aimerais pas ? Oh, peut-être. Oh ! Faut... Oh putain ! Je vais aller faire tomber le truc. Faut que je vous parle d'autre chose. Ouais, non. Ah, je sais pas, je trouve une frite transium. D'accord. Moi, je pense que j'ai fini de manger. Les Restos du Cœur de Belgique. Ah oui, moi je peux pas. Si. Ah, j'ai une confirmation, attends. Les Restos du Cœur de Belgique, alors je vous quand j'ai dit les Restos du Cœur de Belgique, c'est une ASBL qui n'a rien à voir, mais rien du tout à voir avec les Restos du Cœur français. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose vraiment typiquement belge, c'est pas du tout en association avec les Restos du Cœur français. Donc, c'est une association qui s'occupe d'aider les gens qui sont dans le besoin, forcément. Bah, ouais. Le même principe que les Restos du Cœur France. Ils m'ont contacté parce qu'ils vont faire un week-end spécial, le combien 7-8 mars, je crois. 6-7 mars. 6, je crois. 6-7 mars, je sais plus. Enfin bref, c'est le vendredi et le samedi. Ils vont aller dans 4 ou 5 choras de Belgique. Et ils vont faire une collecte de dons, simplement. Et ils m'ont contacté pour voir si ça m'intéressait de participer à cette collecte de dons. Bien sûr, j'ai dit oui, parce qu'il y a le Cora de Messancy, qui n'est pas très, très très loin de chez nous, qui participe. Donc je ne sais pas encore quel jour. Ça, je vous confirmerai dans une autre vidéo ou sur Insta. Comme ça, vous êtes au courant. Ce sera certainement le... Je sais pas. Le samedi, tu préférais le samedi, toi, ou vendredi en fin de journée? Tu préférais samedi? Le vendredi, peut-être, non. Bon, on verra bien. On verra bien, je vous confirme ça. Alors, vous pouvez aussi participer à cette collecte de dons. Vous pouvez être aussi des bénévoles, mais il faut avoir plus de 16 ans. Aimez-moi. Il faut avoir plus de 16 ans, mais... vous pouvez participer si vous êtes accompagné d'un adulte. Donc, par exemple, si vous voulez convaincre votre maman ou votre papa de participer aussi, donc de faire la collecte de dons, de demander aux gens dans la galerie du Cora, vous pouvez, mais vraiment si vous êtes accompagné d'un adulte. Comme moi, Laura. Donc, ça, je peux inviter quelqu'un Oui, je pense. Ah, ça c'est bien alors. Comme ça, je serai peut-être plus en confiance. D'accord. Donc voilà, je vais participer à ce beau projet. Je suis vraiment très contente. Oui. C'est la première fois qu'une association me contacte comme ça et j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas si vous avez des choses dans la région. Moi, je suis open. Et je vous confirme donc la date. Parce que si vous venez... Je vous confirmerai donc la date pour savoir exactement à quel moment on sera au Cora de Messancy. Si vous voulez venir nous voir, mais venez juste venir nous voir. Mais non, attends, vous venez pas sans rien. Voilà, vous venez pas sans rien. Vous venez avec un paquet de pâtes ou un paquet des de biscuits. Voilà, je vous mettrai aussi la liste. je vous mettrai la laisse. Allez, hop, t'es nouveau abonné. Bon, le plus simple, c'est que vraiment je fasse un post sur Instagram avec tout ce qu'il pas... faut. C'est pas pour nous, hein, les biscuits. Ah non, c'est pas. Je vais pas tout garder pour moi. Si vous ramenez un paquet de biscuits, ce sera pas pour moi. Ce sera vraiment pour l'association, pour les gens qui en ont besoin dans la région. Il y a des petits mots, non, c'est vraiment chouette. Peut-être, je sais pas. On peut mettre des petits mots avec, mais bon, ouais, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est vraiment d'amener des vivres. La nourriture, des choses qui sont pas trop périssables, genre le riz, les pâtes, des boissons, oui. De l'eau, par exemple, ça se périme pas trop. Oui, de l'eau, oui, mais ne venez pas qu'à une canette de bière. Hein. Non, pas d'alcool, pas de choses néfastes. Je vous mets sur Insta. Voilà. Suivez-moi sur Insta si c'est pas déjà fait. Donc suivez-moi sur Insta si c'est pas déjà fait, si vous voulez être au courant de ce petit événement. Franchement, c'est chouette. Voilà, moi je suis très contente de participer. Qu'est-ce que t'as bu? Oh non. Est-ce qu'il y avait des tropicaux? Il a mis quelque chose?
je suis de nature timide, alors ça va me dévoiler. Moi, je suis d'une nature très ouverte, donc je sens que je vais vraiment m'éclater ce jour-là. Après, si c'est des jeunes, tu fais les jeunes, moi je fais les vieux. Parce que je n'aime pas les jeunes. Laura, elle est en si c'est des jeunes. Si c'est des gens, mais si c'est des abonnés qui viennent dire bonjour, tu vas quand même. Ah non, non, bonjour. Les abonnés, oui, mais les jeunes qui nous connaissent pas et qui font tour des coins. Quoi. Non, mais attention, hein, c'est pas un meet-up qu'on fait. Hein. Non. Ne venez pas en croyant que c'est un meet-up, hein. Vous pouvez pas rester une heure collé à nous, quoi. Enfin, je veux dire. Partez, hein. Nous, on va quand même jouer notre jeu de bénévole pour l'association. On joue notre vie, là. Hein. Parce qu'elle est vieille. Non, mais voilà, le plus important, c'est vraiment l'association. C'est pas le fait de venir nous rencontrer. Enfin, ça nous fera plaisir de vous voir, c'est sûr. Il faut venir. Mais c'est l'association. Avec quelque chose. Venez avec quelque chose. C'est assez important. C'est si très vous important. Venez pas, ben, on vous regarde même pas. On vous fera lapin. Arrête, y a personne qui viendra. Non, on est. Voilà, c'est. Voilà. J'ai même pas su boire. Ah. T'as vu? J'ai tout rangé. Pour une fois. Non, j'avais pas capté le pour une fois. Encore? Il y a de la buée, laisse tomber. Et tu vois, c'est les 30 minutes. À chaque fois qu'on fait un même bond, c'est plus ou moins dans les 30 minutes. C'est intéressant ce que je dis. J'ai pas fait de tâche, les gars, j'ai pas fait de tâche. C'est un miracle. Oh, Dieu Jésus, merci. Ça, tu peux pas le mettre. Pourquoi? Mais parce que c'est un signe religieux. Tu veux pas mettre le signe religieux? C'est vrai? Oh, bah non. Mais nous, on n'est pas croyants, donc c'est débile. Oui. Bon, bref, on parle pas de religion ici. Parce que c'est un sujet très tabou que je ne veux pas du tout aborder. C'est pas tabou? Bah c'est, si, c'est parce que ça va être la galère dans les commentaires. Il y en a un qui va être musulman, il y en a un qui va être athée, il y en a un qui va être chrétien et ils vont se fighter. Non. Ah, pour moi tout le monde est pareil. T'as un euro. Pour moi tout le monde est pareil. Voilà, que vous soyez musulman, athée, on chrétien, est humains, bouddhiste, voilà, on est humain avant tout. C'est très bien, c'était très beau ça. Bon allez, on va vous laisser, on a fini de manger. Ça c'est l'empreinte de mes cheveux. C'est intéressant, Laura. C'est bizarre. Ah, mais on l'attendait celui-là. C'était pas normal. Je me disais, il y a quelque chose qui manquait. J'ai trouvé. Oui. Si je le fais, ça marche. Oh, on a la même empreinte. Allez, faites-le. Con, si vous avez de la buée sur les carreaux quelque part. Faites-le devant vos parents, vous faites comme ça, ils vous claquent. Oh, allez, on vous fait de gros bisous. Bien gras, comme d'habitude. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.